Planning, not planning, prospective in Togo. Kako Nabuko is also a well-known economist. He has written a lot about the CFA franc and how it is neocolonialist, we can say that in a kind of way, how it is preventing the African countries involved in the CFA franc to go to the full potential, to be polite. And today we are pleased to welcome him. And he today you have responsibilities within the African West African Monetary and Economic Union Commissioner. So he's going to present the paper that you have all read that is on the website. About the opportunity, or not, of creating a common or a unique currency, because this is something you are going to discuss. And I will have the honor of being his translator, because Kako understands English, but he prefers to have a translator into English from French. So I will do my best to do that. I have not done that in years. I used to do that in the past. For the Cournot Foundation, but I was a PhD student. So it's a long help you. It's been a long time. So Kako, the floor is yours, and try. I will try to translate every two phrases, just to because we have students from all over the world here, including African countries, of course. Okay. You know, I took one of your former students in our M1. Okay, Kako, please. The floor is yours. Merci beaucoup, grand merci. Bonjour à tous. Donc nous allons faire deux parties dans le cadre de notre présentation. So this presentation is going to be in two parts. Une première partie sur l'histoire de la monnaie CFA. The first part will be on the history of the CFA. Ses principales caractéristiques et les critiques qu'on a l'habitude de lui adresser. So the main characteristics of it and the criticisms that are also made to the CFA franc. Voilà, et la seconde partie sur les différentes options de transition du franc CFA vers une éventuelle nouvelle monnaie pour l'Afrique de l'Ouest. And the second part will be on the possibilities that are on the table of transition from the CFA to a new possible currency for West Africa. C'est exactement ça. Parfait. I will do my best. C'est parfait. Et après, évidemment, après, on aura des échanges sur les, of course, bien sûr, sur les choses. C'est ça. J'ajoute tout à fait. Super. Donc le franc CFA a été créé juste à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le 26 décembre 1945. So the CFA franc has been created on the 26th of December 1949, just after World War II. Et au sein de ce qu'on appelait la zone franc, qui regroupe, disons, les pays francophones d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Okay. So, and that was within the franc zone that put together what? The francophone countries. Francophone countries, yeah. Donc on a deux francs CFA, un franc CFA pour l'Afrique de l'Ouest et un franc CFA pour l'Afrique centrale. So there are two CFA francs, one for West Africa and one for Central Africa. C'est ça. Donc, en Afrique de l'Ouest, il y a huit États qui partagent le franc CFA, dont sept qui sont francophones. So, in West Africa, there are eight countries that are share the CFA franc, including seven of them that speak French. Voilà, et un lusophone, hein, la Guinée-Bissau. Okay. And one in which you speak Portuguese, Guinée-Bissau. Voilà. Mm-hmm. Et en Afrique centrale, c'est pareil, ils sont six États qui partagent le CFA, dont cinq francophones, et puis la Guinée équatoriale qui parle espagnol, je crois. Ok.
And in Central Africa, six countries, including five that speak French, plus Guinea that speak Spanish. Voilà. Et puis il y a l'archipel des Comores, qui est le 15e État qui utilise le franc CFA. Plus the Comores that use, which is the 15th state that uses the CFA. Voilà. Tout à fait. Et donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est une monnaie qui a été créée à l'époque coloniale parce que c'était la monnaie de deux fédérations, la fédération de l'Afrique occidentale française et la fédération de l'Afrique équatoriale française. Okay. So you have to keep in mind that this currency has been created during the colonial era. And it was the currency of two federations, West Africa and Central Africa. Voilà. Et donc c'est important d'avoir ça en tête parce que la cohérence du franc CFA, c'est que c'est la monnaie d'une fédération. Donc avec une unité politique, le gouverneur des colonies, une unité budgétaire, le budget de la colonie, et donc l'unité monétaire, c'est le franc CFA. C'est hyper important d'avoir ça en tête, que c'est la monnaie d'un État, même si c'est un État fédéral. Okay. So it is very important to keep in mind that this is a currency of one state, which is a colonial state. So it is a currency of a federation that has a policy unity, the governor of the federation and budget unity also, the budget of this federal state. Okay. Donc le problème va se poser au moment des indépendances en 1960, puisque il ne va plus y avoir la fédération. Chaque État va prendre son indépendance, mais les États vont garder la même monnaie CFA. So the issue that he started in 1960, when these colonial states have taken their independence, so they have all the countries have become independent, but the currency is still there. Voilà, exactement. Et donc, les quatre principales caractéristiques du franc CFA sont, la première, c'est la parité fixe entre le franc CFA et l'euro. Okay. Un euro vaut 655 francs CFA, à peu près. Okay. Okay. So the four main characteristics of the CFA franc are the following one. The first one is a fixed parity to the euro. One euro is worth 655 francs CFA. Voilà. Deuxième caractéristique, il y a une totale garantie de convertibilité entre le franc CFA et l'euro. C'est-à-dire que quand vous avez du CFA, vous avez de l'euro, en fait. Okay, the second characteristic is that the CFA is fully convertible into euros. When you have CFA, you have euros. Troisième caractéristique, c'est la libre circulation de capitaux entre l'espace CFA et l'espace euro. Il n'y a pas de contrôle de change. So the third characteristic is the free capital is free to move from the CFA zone to euro. There are no exchange rate controls. C'est ça. Et la quatrième et dernière caractéristique du franc CFA, c'est que les États qui utilisent le franc CFA, donc en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, mettent ensemble leurs réserves de change. And the fourth and last characteristic is that all the states using CFAs put together their exchange reserves. Donc, quelles sont les principales critiques qu'on adresse depuis maintenant 62 ans au système CFA? So the main critiques to that system that have been raised since 62 years ago. Il y en a quatre. Okay.
Il y en a quatre. There are four main critiques. Voilà. La première, c'est que malgré l'existence du franc CFA, les États qui l'utilisent n'échangent pas beaucoup entre eux. So, despite of the existence of this currency, franc CFA, the states involved in it don't trade with each other a lot. C'est ça. On est à 15% d'échanges intracommunautaires. Pour la zone euro, c'est à peu près 60%. So, okay. It's 15% of trade between the countries using CFAs and 60% with the eurozone. C'est ça. Là, c'est un peu nuancé. Je ne dis pas que c'est à cause du franc CFA que les économies n'échangent pas entre elles, mais l'existence du franc CFA n'a pas permis l'accroissement des échanges. Puisque nous savons que c'est parce que les États, ces économies, en fait, elles exportent les matières premières sans transformer. Donc, elles sont plus substituts que complémentaires, en fait. Okay, so it's not because of the CFA franc that we are in this situation, but the fact is that the CFA franc did not increase that percentage, and the key reason of this situation is that the current is that the countries involved in the CFA export what? Les matières premières, les raw materials. They export raw materials to the European countries mainly. Voilà, c'est ça. Tout à fait. La deuxième critique principale qu'on adresse au franc CFA, c'est que, vu sa parité fixe avec l'euro, qui elle-même est une monnaie forte, on a des problèmes de compétitivité dans la zone franc, dans le système CFA, parce que quand vous avez une monnaie forte, ça agit comme une taxe sur les exportations, et une, ce qu'on appelle une subvention de vos importations. Okay. Oui. So the second critique is that given the fixed parity with the euro, they have cost competitiveness issues and within the franc zone, because it acts like a tax on exportation and like a subvention to importations. Okay, the currency is too strong for the zone. La troisième critique qu'on adresse au système CFA, c'est le sous-financement des économies de la zone franc. C'est-à-dire que l'objectif des banques centrales de cette zone, c'est la défense du taux de change fixe avec l'euro. Donc, il faut éviter les dévaluations. Donc, on maximise les réserves de change, mais on ne finance pas l'économie réelle. So, the third criticism is that the economies who have the franc CFA are not financed at the level to which they should be financed, because the key objective of the central banks is to maintain this fixed parity with the euro, so they have to maximize the reserves, and as a consequence, they don't finance these economies. They tend to stick to this objective of maintaining this parity with the euro. C'est ça. Pour une raison simple, c'est que comme on n'a pas une forte production, quand on finance l'économie, ça alimente les importations de biens et services et donc la sortie des devises. Et donc, au bout d'un moment, il y a un risque de dévaluation du franc CFA vis-à-vis de l'euro. C'est pour ça qu'il y a un arbitrage entre la maximisation des réserves de change et le financement de l'économie réelle. So there is a trade-off between this maximization of these reserves in euro on the one hand and the financing of the real economy, and the reason is the following one. Comme
as the production is not strong in these countries, when you finance the economy, it feeds the imports of goods and services, and as a consequence, the currency goes out of the countries, and therefore that increases the risk to devaluate. So this, so the central banks face a trade-off between maintaining the parity and financing the real economy in this difficult situation. Et enfin, quatrième et dernière critique qu'on adresse aux francs CFA et donc aux banques centrales de la zone franc, c'est exactement comme la Banque centrale européenne, c'est l'absence d'objectifs de croissance dans les missions de la Banque centrale. C'est la seule mission, c'est la stabilité des prix. Okay. Okay, and the last criticism that is addressed to the zone franc is that the main target of the central banks there is not growth. The main target is maintaining stable inflation. C'est ça. Like for the ECB. Exactement. Donc c'est ce qui explique, en tout cas du point de vue économique, l'intensité des débats autour du maintien ou non du franc CFA dans le cadre des États qui utilisent cette monnaie. So that explains the reason why the debates around whether the franc CFA should be maintained or not are so intense. Voilà. Maintenant, à côté des éléments économiques, le débat dans le grand public porte essentiellement sur les questions de symboles politiques. So besides the economic issues, when it comes to the wide audience, to the people, there are also political issues that are raised. C'est ça. Et pour trois raisons principales. Pour trois raisons principales. There are three reasons to that. Voilà. La première, c'est que le franc CFA est fabriqué en France. Et exclusivement en France. The first thing is that the franc CFA is exclusively made in France. OK. Deuxième raison, jusqu'à il y a une année, les banques centrales de la zone franc étaient obligées de déposer au moins 50% de leurs réserves de change auprès du Trésor français. The second reason is that up to last year, 2021, the central banks of the belonging to this system were compelled to have deposits of 50% of their assets, de l'actif. Réserve de change. Of their exchange rate reserves, sorry, of their exchange rate reserves on the account of Banque de France. French Treasury, sorry. No, it's different. So 50% of the reserves of these countries had to be deposited on the accounts of the French Treasury. Et troisième et dernière critique d'ordre politique ou symbolique, c'est le fait que dans les instances de la zone franc, banque centrale, comité de politique monétaire, vous aviez des représentants de la France. Donc jusqu'à l'an dernier, quoi. And the last criticism, on a political and also symbolical level, is that up to 2029, last year, in all the committees of the central banks, all the committees of monetary policies, you had French representatives. Yeah. So you see the symbolical level. C'est ça. Donc ces deux types de critiques s'additionnent
et ont provoqué le 21 décembre 2019 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, des annonces conjointes faites par le président français Emmanuel Macron et le président ivoirien Alassane Ouattara sur la réforme du franc CFA. Okay. So, as a consequence of these two kinds of criticism, the French president Emmanuel Macron and the president of Ivory Coast, Alassane Ouattara. Ouattara. Yes. Alassane Ouattara made a common statement on the 21st of December 2019. Yes. Okay. Et donc la principale décision, c'est le changement de nom de la monnaie. Okay. So the main qui decision va, is to changing the name of the currency. Qui va s'appeler désormais ECO. And the name is ECO, like economics. Si, voilà. Et là où la situation se complique, c'est parce que ce nom ECO était déjà le nom retenu pour la monnaie qui est en train de se créer pour les 15 États d'Afrique de l'Ouest francophones et anglophones. ECOWAS. It's complicated because that name was already the name for the currency in creation for the 15 states of West Africa. West Africa. Yes. Yeah. Donc. So it's confusing. Voilà. Du coup, actuellement, potentiellement, il y aurait deux échos. Un écho qui serait comme le franc CFA. So potentially, there are two echos now. One that would be exactly like the CFA franc. C'est ça. Et un écho qui serait la monnaie pensée depuis 2000 pour l'ensemble des 15 États de l'Afrique de l'Ouest. And the second echo would be the currency that has been imagined since the beginning of the 2000 for the 15 countries of West Africa. C'est ça. Et c'est ce qui nous conduit à envisager quatre scénarios pour l'avenir de la monnaie, de la construction monétaire en Afrique de l'Ouest. So okay. There are four possible scenarios. I don't know whether we say it's a plural in Italian. So there are two possible scenarios or scenarios for the construction of the currency in West Africa now. Donc le premier scénario, c'est un écho qui serait simplement le franc CFA, mais élargi aux 15 États de l'Afrique de l'Ouest, avec la mise en place de critères de convergence nominale, comme les critères de Maastricht, qu'il faudrait quelque part satisfaire avant de rentrer dans cette monnaie ECO CFA. En fait. So the first scenario is simply that the ECO would be the current franc CFA, but that would also include the 15 countries of West Africa, and in that case you would have convergence criteria similar to the ones of Maastricht, but adapted to the situation, right? I suppose, or would them be the same criteria that for Maastricht? Oui. The same criteria than for Maastricht, then. Voilà. Donc ça, c'est ce scénario, c'est le scénario privilégié par la France et les pays qui utilisent actuellement le franc CFA. C'est-à-dire qu'ils pensent que les autres économies pourraient adopter cette monnaie éco et, au fond, suivre la dynamique des pays de la zone franc. Okay. So this is a favorite scenario of France and the countries currently using the CFA franc. They think that the countries of West Africa that join
would then be happy to adopt these France CFA and to take part in the dynamics of the countries currently using this currency. Voilà. Donc le deuxième scénario, c'est non plus un éco-CFA avec respect des critères de convergence nominale, mais un éco avec plutôt la convergence réelle, c'est-à-dire la convergence des PIB par habitant. Et dans ce cas de figure, le Nigeria serait le lead parce que c'est le pays de l'Afrique de l'Ouest qui tout seul fait plus de 2/3 du PIB d'Afrique de l'Ouest et 52% de la population. Et donc c'est le premier pays en termes de PIB par habitant, okay, suivi par le Cap-Vert et par le Ghana. Donc, dans ce cadre, oui. Sorry. The second scenario would be the echo again, but instead of having nominal convergence like in the previous scenario, we would have real convergence. And in that case, what would matter is the GDP per capita. And then Nigeria would have the lead, given that 2/3 of the GDP of West Africa is in Nigeria. They have 52% of the population. So Nigeria would have the lead. And voilà. Désolé. C'est parfait. Et donc le troisième scénario, c'est deux zones en Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire on aurait la zone franc actuelle avec un éco-CFA et on aurait à côté une zone Naira, c'est-à-dire que le Nigeria va créer un éco-Naira qui va rassembler les pays anglophones d'Afrique de l'Ouest, plus la Guinée-Conakry qui est francophone mais qui n'utilise pas le franc CFA. Okay, so the third scenario is that we would have two zones. The first one using the current franc CFA, so it would be the eco CFA, and the second zone would be the Naira zone, centered on Nigeria and all of the English-speaking countries plus Guinea-Conakry, that is not an English-speaking country. Yes. Et quatrième et dernier scénario, qui ressemble à un scénario que les Européens ont connu avant le traité de Rome, hein, l'Union européenne de paiement, c'est avoir une monnaie éco, monnaie commune, mais pas monnaie unique. OK, and the last scenario is the one that Europeans are familiar with because they have known that with the European currency European payment union. Yes. So it would be a common currency, but not a unique currency. C'est ça. Et donc, dans ce quatrième cas de figure, on va accrocher à l'éco, on va rattacher à l'éco un panier de devises avec le dollar, l'euro, la livre sterling et le yuan chinois. So there would be a currency of baskets, yes, including dollars, euros, yuans, and the last currency was? Livre sterling. The British pound. It would be a currency basket, okay? Voilà. With different weight for each of the currencies. C'est ça. Et donc, entre chaque monnaie actuelle et l'éco, il y aurait un taux de change fixe mais ajustable. Yes. So there would be, it looks like the European monetary system, yes, right? There would be a fixed exchange rate, but that exchange rate could be adjustable, like in the Bretton Woods, right? So in case you need to devaluate. Exactement. Et on aurait
comme le serpent monétaire européen, un couloir de fluctuation entre chacune des monnaies et la monnaie éco. So there would be a fluctuation corridor between each of the currencies and the eco. You all know how it works, right? You have an official parity and then you have a fluctuation corridor of how much? C'est ça. On n'a pas défini encore le... The European Monetary State snake that became later the European Monetary System. Ça, c'était plus ou moins 2,25. Voilà, plus ou moins 2,25. Et puis, il est devenu 2, plus ou moins 15. Mais dans ce cas, ici, nous ne savons pas encore quelles fluctuations bandes seraient. C'est ça. Donc, deux remarques pour conclure. La première, la difficulté économique que nous avons dans cette construction, la principale difficulté économique, c'est que le Nigeria est exportateur de pétrole et les autres pays sont plutôt exportateurs de produits agricoles et importateurs de pétrole. Donc, ils ne sont pas dans la même phase du cycle économique. So, okay. To conclude, there are two comments that are very important. The first one is the main economic difficulty is that Nigeria exports oil while the other countries tend to export more agricultural products and do import oil. So they are not in absolutely not in the same economic phases and cycles. Voilà. Du coup, quelle va être la politique monétaire optimale pour une région qui a deux cycles qui sont en opposition de phase? So, okay. And in that case, what would be the will be the optimal monetary policy for a region that has cycles that do not follow the same phases and that follow opposite phases, as a matter of fact. C'est ça. Ce qui a conduit le Fonds monétaire international à désapprouver l'idée d'une seule monnaie pour l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. So and that led the IMF to disapprove the idea of one single currency for all these countries of Western Africa. Voilà. Et au contraire, certains économistes, hein, comme Frankel et Rose, ont dit c'est justement parce que ces économies sont en opposition de phase qu'elles arriveront à avoir suffisamment de réserves de change pour soutenir leur monnaie. Et donc, c'est l'idée de la mutualisation des réserves du fait de l'absence de convergence cyclique. And other economists disagree, like for example Frankel and Rose, who are well known when it comes to exchange rate theories, that say that putting the reserves together, we allow this country to what? La possibilité de soutenir leur construction monétaire. Avoir suffisamment de réserves de change. To have soutenir enough exchange reserves to maintain the official parity. Voilà. C'est ça? C'est ça, ouais. Exactement. Et donc, deuxième remarque pour conclure, donc c'est plutôt politique. Donc, il y a la raison économique, et maintenant il y a la raison politique. C'est qu'on a une incertitude sur la position française et la position du Nigeria. On n'est pas sûr que la France veut effectivement abandonner le franc CFA et la zone franc. So the second concluding
remark. The second question is political. And there is strong uncertainty about what the positions of France and Algeria are. Concerning France, we cannot be sure that France really wants to give up the CFA zone. Et on n'est pas sûr que le Nigeria veuille abandonner sa monnaie, le Naira, qui lui sert à régler des problèmes de transfert entre le sud qui produit le pétrole et le nord qui est sahélien. Ok. So concerning Nigeria, we are not sure that the country is willing to give up its currency, and especially that currency allows the country to make transfers between the north of the country that produces oil, no, the south, and the south that is in Sahara. Le sud produit le pétrole et le nord c'est le Sahel. The oil. Oil and the north is Sahel, so it's poor. Voilà, c'est ça. Sorry, it's ça the opposite. Mais le pouvoir politique au Nigeria est au nord. But the political power in Nigeria is in the north of the country. Okay. Et donc, on ne sait pas pourquoi le Nigeria accepterait de partager à 15 sa souveraineté monétaire qui lui sert de trait d'union pour son pays, parce que le Nigeria est une fédération. So, why would Nigeria accept to share amongst 15 countries its monetary sovereignty that serves to as a cement to the countries, because Nigeria is a federation? C'est ça. Okay. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous sur l'enjeu. So this is what Kato wanted to share with you about what is at stake currently in Western Africa. Et donc pour information, au mois de mai 2021, j'ai organisé à l'université de Lomé au Togo les états généraux de l'éco, pour que les chercheurs africains, français, internationaux viennent réfléchir sur l'avenir de cette construction monétaire. Et suite à ça, on a mis en place une déclaration dite de Lomé et on a créé maintenant les conversations monétaires de Lomé qui se tiendront tous les 2 ans au Togo. Ok. So, for your information, CACO has organized in May 2021 in Lomé, in Togo, the, how do you say, états généraux? I don't know. It's so French to organize états généraux. You know, it's like during the revolution. A big symposium about the eco. And the outcome of that was the declaration of Lomé, and now you will have these conversations every 2 years there in Lomé. So maybe as the next minister in your country, you will take part in this conversation as a former EPOC student, and you will come and speak about this to the next EPOC generation. Voilà, tout dernier point, les chefs d'État d'Afrique de l'Ouest ont décidé de reporter à 2027 la mise en place de l'éco. So the current people in charge in West Africa have decided to postpone to 2027 the implementation of the éco, which is currently corresponding to the first project, right? On ne sait pas. And we don't know to which project. We don't know to which of the 4 projects we are talking about. So it's for 20 years. Donc voilà, merci beaucoup. Merci.